Coucou les filles, alors ce soir vous m'avez en version sortie de douche et pyjama. Wouh! Donc pas maquillée, pas coiffée, mes cheveux étaient en train de sécher, sèche tout seul, voilà. Bref, c'est la fête. Donc en fait je venais vraiment vite fait ce soir pour vous donner les résultats du concours du concours Miss Cup. Donc là j'ai un premier lot, là j'en ai un deuxième. Voilà, pour vous prouver que j'ai bien 4 palettes qui seront pour 2 gagnantes. Et donc, j'ai écrit à chaque fois que vous m'envoyez un commentaire en me donnant votre âge. Donc, c'est vrai que c'était un peu le mélange parce que quand j'ai dit l'énoncé du concours, en fait, les modalités de participation, etc., je me suis un peu emmêlé les pinceaux, c'est-à-dire que j'ai dit un commentaire par jour, alors qu'en fait après je me suis rattrapée et j'ai dit un commentaire pour toute la durée du concours et j'ai rappelé les règles en dessous, sauf qu'il y a quelques personnes effectivement qui n'ont pas compris, mais c'est moi qui ai été, je pense, pas claire sur ce coup-là. Mais c'est super dur à gérer si toutes les personnes remettent des commentaires tous les jours, donc je préfère un commentaire pour toute la durée du concours. J'essaierai d'être plus claire le mois prochain. Mais là, comme vous étiez que 3-4 à participer tous les jours, je vous avais identifié, donc je supprimais votre commentaire à chaque fois. Enfin, je supprimais, je ne le renotais pas sur ma feuille, parce que du coup, à chaque fois que j'avais une nouvelle participante, je notais son petit pseudo. Et alors, ce mois-ci, j'ai eu 68 participantes. Je ne me souviens plus combien j'avais eu de participantes le mois dernier. Et en plus, le mois dernier, il y avait une gagnante de plus. Là, il n'y en a que deux. Donc, j'ai tiré au sort. La première qui a été tirée au sort, c'est Mona June 92, je ne sais pas du tout si ça se prononce comme ça. Mona June 92. Et la deuxième qui a été tirée au sort, donc moi j'ai mis sur random hein, de 1 à 68. La deuxième c'est Donze Thérèse, je ne sais pas si ça se dit comme ça. Donze Thérèse. Donc voici les deux gagnantes. Donc vous remportez chacune deux palettes, une smoky et une nude. Donc, s'il vous plaît, envoyez-moi sur MP YouTube. Donc, juste me faire un petit MP sur YouTube pour m'envoyer votre adresse. Pour que je puisse vite faire les paquets et les envoyer au plus tard ce week-end, au début de semaine prochaine. Bon, après, si j'ai pas de nouvelles de vous, je pense que je vous enverrai un petit MP. Mais pour l'instant, je vais vous laisser la surprise de voir cette vidéo. Donc au niveau des âges, j'ai un petit peu eu tous les âges. J'ai beaucoup de jeunesse. Je ne pensais pas que j'avais autant de jeunesse que ça, mais c'est vrai que j'ai beaucoup beaucoup de jeunesse. J'ai un peu de trentaine et puis après effectivement il y a la quarantaine, il y a la quarantaine bien sympathique qui me suit également. Mais après c'est vrai que ça veut absolument rien dire. Après tout est dans la tête. Hein. Il y a des filles qui sont très vieilles et qui n'ont que 15 ans et des filles qui ont 50 ans et qui quand on leur parle et moi, je sais que ma mère, elle fait pas son âge, elle fait beaucoup plus jeune également. Elle est restée plus jeune dans sa tête, donc elle ne fait pas son âge. Et je pense que toutes les filles qui me suivent sont un peu comme ça, parce qu'en général, quand on aime bien quelqu'un, c'est qu'on s'y retrouve un petit peu. Donc, comme je suis un petit peu fofolle et que je ne suis pas non plus trop vieille dans ma tête, même dans mon vrai âge en fait, je pense qu'on est toutes un petit peu fofolles et qu'on est toutes restées de grandes gamines. Voilà les filles, donc j'espère que ça vous aura fait plaisir. Le mois prochain, je reviens encore avec un concours et là, du coup, j'aurai un peu plus de gagnantes parce que maintenant, j'ai fait mes achats. J'en ai acheté quelques-uns au mois de janvier et j'ai fait des achats en prenant à chaque fois 5-6 gagnantes, ce qui est beaucoup plus sympa. Donc là, c'était des achats que j'avais fait à la fin de l'année dernière et je n'avais pas encore mis en place ce système de concours. Donc du coup, sur ce coup-là, je n'ai pu faire que deux heureuses. Donc je vous fais confiance au niveau de me dire une fois que vous les avez reçues, si vous les avez bien reçues et en bon état, et puis de me dire un petit peu ce que vous en pensez de cette marque et de cette petite palette. Je vous fais des gros bisous et puis je vous dis à demain. Bye bye les filles!